Ces images paisibles de cartes postales ne sont pas truquées. C'est l'Avesnois. L'Avesnois où les horizons du Nord trouvent enfin leurs limites. L'Avesnois où, pressez-vous, les villages sont encore de vrais villages et les paysans de vrais paysans. Une contrée où les repères de la tradition et de l'histoire, d'ailleurs souvent confondus, se rencontrent en tout lieu. Le château du prince de Mérode à Trélon. Celui de Pont-de-Saint qui a abrité Talleyrand à la fin de sa vie. Le château de la Motte, devenu hostellerie. Ici, le temps suit son petit bonhomme de chemin, sans à-coups, sans crispation. Et le silence s'entend, puisqu'il est fait d'un bruissement de branches, d'un cri d'oiseau chahuteur, d'un frise-lis d'eau, d'une sonnaille de bétail et d'un appel étouffé de cloche. Un décor qui invite subtilement aux longues promenades solitaires, aux rêveries pastorales à deux, lesquelles finissent toujours par ouvrir l'appétit et par conduire traîtreusement les romantiques vers quelque hostellerie de bon aloi. C'est en connaisseur et en amoureux que nous en parle le docteur Lagrenet, maire d'Avesnes. La ville d'Avesnes a une quantité d'excellents restaurants et tous les alentours pullulent d'excellents restaurants. C'est une terre où, Rabelais aurait dit, une terre de haute gueule. Et je suis sûr que tous ceux qui peuvent la visiter par ces joyeux jours de juin et de juillet repartiront avec du soleil dans le cœur et surtout une grosse chaleur dans leur estomac. D'un autre côté, ce pays de tourisme, avec ses plans d'eau, ses petites rivières, ses lieux de pêche, ses lieux de chasse, est un lieu enchanteur. Et, pour terminer, je pourrais dire que lorsque vous venez à Avesnes, vous retrouvez, avec le charbon, le souvenir que j'ai gardé de ma mère, le vieux poêle à peau flamand, avec la marmite en terre où on faisait un excellent pot-au-feu qui mijotait toute une matinée et qui, dans le fond, était le régal de toute la famille. À Avesnes, vous y trouverez l'excellent pot-au-feu, la petite marmite, et vous y trouverez aussi pas mal de spécialités qui font la joie des palais de tous ceux qui y passent. Chauffez-vous au charbon, vous aurez des calories, mais venez manger à Avesnes, vous aurez également de nombreuses calories et... Si ça ne va pas bien, ben vous terminerez en prenant une petite cuillerée de charbon. Et ça prouvera une chose, c'est que le charbon est à l'origine de la gastronomie et qu'il en est aussi à la terminaison. C'est ici l'antre du sorcier à toque blanche. Rassurez-vous, les filtres secrets que ses servants composent n'ont jamais eu d'autre effet que de conduire les hommes aux plus douces béatitudes. Et je suppose, monsieur Le Lorrain, que pour être maître cuisinier, cela suppose que vous avez dû rouler votre bosse dans toutes les cuisines de France, d'Europe et peut-être même du monde. Oui, d'Europe, disons d'Europe tout simplement, oui. Et de France particulièrement. Et où étiez-vous avant de venir à Avesnes ? Dans le Midi, à Saint-Paul-de-Vence. Mais ça n'est pas parce que vous êtes venu dans le nord de la France que vous vous êtes décidé un jour à utiliser le charbon pour votre cuisine. Non, non, absolument pas. À travers mes bourlingages, comme vous dites, n'est-ce pas, j'ai eu l'occasion d'employer d'autres moyens de chauffage que le charbon. Et je suis toujours revenu, dès que j'ai pu, au charbon. J'ai été longtemps établi dans le Midi, pendant 17 années, et j'ai toujours été au charbon. Ça semblait surprenant. Eh bien, parce que avec le charbon, on obtient une quintessence de chaleur, n'est-ce pas ? Une chaleur optima, plutôt,
que l'on retrouve, par exemple, sur ce fourneau, voyez-vous, sur les plaques qui entourent le fourneau, il y a des plans de mijotage qu'il n'y a pas avec d'autres combustibles. Ainsi, à Londres, monsieur Le Lorrain, vous avez pu voir travailler les maîtres cuisiniers. Oui, en particulier au Savoie, où il y a 150 cuisiniers, en gros, et il y a 9 groupes de fourneaux qui font 6,60 m de long chacun, et qui ont été montés en 1896 par monsieur Escoffier, notre grand maître de la cuisine française. Et lui était absolument pour le charbon, n'est-ce pas? Donc ces fourneaux ont été refaits une fois, bien entendu, hein, mais ils ont conservé la tradition charbon. Et alors, monsieur Le Lorrain, comment expliquez-vous qu'on mange si mal en Angleterre? Ah ben ça, c'est autre chose, hein. Ça, c'est autre chose. Il y a les restaurants de tradition française dans lesquels on mange d'une façon merveilleuse. Et je crois qu'à Londres, il y en a une soixantaine. Bien entendu, nous ne les avons pas vus les 60, mais nous en avons vu 5, et tous étaient occupés et étaient équipés au charbon. Monsieur Le Lorrain, on m'a dit qu'une danse allait faire fureur cet été, ça s'appelait le bouribou. Comment ça se danse? Ça ne se danse pas, ça se mange. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, le bouribou est une création. Exactement, c'est un canular qui a été fait par un de vos collègues journalistes, fort connu, Henri Monnier, du Canard Enchaîné. Et j'en ai fait un plat, qui a beaucoup de succès en Europe, puisque justement, je suis allé à Londres pour le faire. Eh bien, je peux vous assurer qu'il y a lieu, en effet, d'en faire un plat. Car vous savez bien sûr que je savais ce qu'était le bouribou, j'en ai dégusté tout à l'heure et c'est très, très, très bon. Merci, monsieur Le Lorrain. Je vous en prie. Rien de tel, après un excellent repas, que de retourner se perdre dans ces paysages sereins, détenteurs, dit-on, de merveilleuses vertus digestives. Et quelle aubaine lorsque l'on a la chance de les trouver au seuil même de l'auberge. Mais attention, attention, regardez-les bien, ces paysages que l'on pourrait situer aux portes d'Aven. N'est-il pas vrai qu'ils ont un air de famille avec ceux que nous avons découverts tout à l'heure? Mêmes horizons limités, même vallonnement de terrain, même lignes boisées, même rivières, paradis des amoureux du silence. Nous sommes en Normandie, dans les environs de Dieppe. Les forêts d'Arques et des Avis, plus épaisses ou plus hautes qu'en Avesnois, invitent cependant aussi au retour aux sources.